Bon, je sais pas si j'ai du réseau. Je sais pas si j'ai du réseau. Confirmez-moi les gens. Big up à la team, ça marche ou pas? Yes, les amis. Là, franchement, je fais ça parce que c'est important. C'est important. Est-ce que ça marche? Dites-moi bien si on entend tout et si tout est nickel. Ça va être très court. Ça marche, c'est bon? On y va? Ok, alors je tourne le truc. S'il vous plaît, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bonjour, mon frère. Salam. Alors, je voulais te poser quelques questions. Donc, tu peux me dire ce que tu as fait l'été dernier, s'il te plaît? J'ai sauté en parachute. Tu as sauté en parachute et c'était où? À Bordeaux. À Bordeaux. D'accord. Et quand tu as sauté au parachute, c'est combien tu as payé? C'était quoi le forfait? C'était à peu près 300. Ouais. Ah, c'est quand même pas gratuit. Hein. Ok, et maintenant, pour tous nos amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la Terre ronde, la Terre plate, etc. Dis-nous, qu'est-ce que tu as vu, toi, de là-haut, s'il te plaît? Dès que tu sautes, tu vois la Terre qui est bien ronde. Ouais. Ah, qui est bien ronde. Mais dis-nous bien clairement, qu'est-ce que tu as vu? La courbure, tu as vu quoi? Ouais, tu vois la courbe, ouais. Elle est ronde, quoi. Voilà, elle est ronde, il n'y a pas de doute, elle n'est pas plate. Non, elle est bien ronde. Tu l'as bien vu de tes yeux, tu mens pas, c'est vrai. Elle est ronde. Et tu sais à combien d'altitude tu es monté pour la voir? J'étais à 4000. 4000, ouais. D'accord. 4000. Bah voilà, bah franchement, je pense que ce petit interview. Je monte à 4000. Va aider beaucoup de gens. Et tu vois tout. Voilà, bon. J'avais dit, je suis pas un menteur, la preuve est là devant vous, j'avais juste eu un petit problème par rapport au lieu, je pensais que c'était autre part, bref, non, je suis pas au café, c'est fermé, c'est juste que le mec, je l'ai croisé devant un café, bref, voilà, vous avez la réponse, un pour Géno, Largo, Agangi, nanana, et là franchement je le fais, c'est triste que j'en ai jusqu'à là, parce que même les écrits, les preuves scientifiques, vous ne nous écoutez pas. Je pense que là, c'est réglé, non? Vous voulez encore continuer? Vous allez écouter des gens que vous connaissez pas? Vous allez voir des vidéos que vous connaissez pas et des gens qui disent n'importe quoi? Alors que les gens ont vu de leurs propres yeux, avec les preuves scientifiques, les preuves comme les écrits, etc. Bon, je pense que là, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Et là, c'est vraiment pour aider ceux qui tombent dans ce panneau. Et certains se reconnaîtront musulmans comme pas musulmans. Voilà. Allez, mes frères et sœurs, portez-vous bien. Ciao. La colère dégagée dans les ondes nous inonde. Ils veulent refaire le monde avec des comportements plus qu'immondes. Les péchés capitaux sont révélés par la science. Malgré notre méfiance, notre Seigneur nous laisse une chance. À nous de la saisir dans le bon sens, de manière adéquate. Le plan toujours sur les omoplates, pendant que tous les homos squattent. Le rap, les prisons sont remplies de non-coupables. Ton âme mange trop de coups bas. Les péchés, ça s'invente pas. C'est les traces du malin qui t'efface de la surface pour laisser le mal à la place. Les événements qui te glacent, surtout compte pour chasse. Ouvert et la chasse face à ceux qu'on la chiasse. Les médocs sont en place pour t'envoyer dans l'espace. La fuite est primordiale dans un discours avec classe. Tu marres l'infâme dans la place avant que je me casse par la trappe, avant qu'on m'attrape. J'ai apporté les locaux infestés de matons en bâtonnets qui tendent le bâton pour te bastonner comme dans du pogo. Demande à Théo si c'est une victime ou si c'est l'escroc. De nos jours, plus rien ne m'étonne. Les vendus recrutent même les négros. Mais le combat n'est pas fini. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent, c'est supposé être drôle. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents.